Bye. Yeah. Je voudrais à mon tour souhaiter à tous une très cordiale bienvenue dans le précieux nom du Seigneur. Je souhaite à tous la bénédiction de Dieu de tout cœur et j'espère que cet après-midi restera pour nous tous inoubliable, que Dieu nous parle d'une manière particulière par sa parole et par son esprit. Car les paroles des hommes ne suffisent pas pour l'éternité. Elles peuvent avoir une signification temporelle ici ou là. Mais lorsqu'il s'agit de l'éternité, nous avons besoin de la parole de Dieu. Car ce n'est que dans la parole de Dieu que les pensées, les plans, les projets de Dieu nous sont révélés. Et comme mon cher frère l'a déjà mentionné, les noms des hommes peuvent être grands pour un temps et soudain, ils n'ont plus de signification. Mais le nom du Seigneur, Demeure pour l'éternité. Et les Saintes Écritures disent c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est en lui que je trouve tout notre salut, le pardon de notre culpabilité et de notre péché. C'est en lui que je trouve tout ce dont nous avons besoin. J'aimerais souhaiter une cordiale bienvenue à ceux qui sont ici pour la première fois, et faire la remarque suivante, que si l'une ou l'autre chose devait être nouvelle, peut-être étrange, peut-être singulière pendant le service divin, alors acceptez-la comme telle de la main du Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour avoir un service divin formel. Il y en a suffisamment dans tous les pays. Nous sommes ici pour entendre une annonce vivante de la parole vivante venue du Dieu vivant et pour nous laisser interpellé par elle en particulier en ce jour le vendredi saint où nous nous souvenons de ce qui s'est passé sur la croix du sur la croix à Golgotha il y a presque 2000 ans. Et nous avons choisi le thème de cette, pour cette trois réunions spéciales. La, ce thème, la signification de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ dans l'histoire du salut. Et c'est de cela que nous voulons nous occuper dès aujourd'hui et aussi demain soir et dimanche matin du point de vue divin, non pas de mon point de vue ou du tien, non pas du point de vue de n'importe quelle église ou église libre, mais du point de vue de la parole de Dieu infaillible, éternellement valable et permanente. J'ai pris quelques notes, ce que je ne fais jamais d'habitude, et je ne veux pas du tout cacher que je les lis. J'ai noté ici la pensée que dans la Bible, il est question de l'histoire du salut. Permettez-moi de vous faire un bref, une brève remarque à ce sujet. Les hommes font l'histoire. Dieu lui fait l'histoire du salut. Et le mot salut nous est déjà familier. Il y a le salut et il y a le malheur. Et nous aimerions nous pencher un peu sur cette histoire divine du salut. Dans l'Ancien Testament, elle a été prédite, hein, annoncée, et dans le Nouveau Testament, elle trouve son accomplissement et sa réalisation. J'ai alors noté cette pensée. Dieu a d'abord écrit l'histoire du salut, puis il l'a fait advenir. Il l'a fait arriver. Les hommes ne peuvent écrire l'histoire qu'après que les choses ont eu lieu. L'histoire, c'est mettre par écrit ce qui a été le consigné pour les générations futures. C'est cela l'histoire. Mais l'histoire du salut, c'est justement le contraire. Il y a 6000, 5000, 4000, 3000, 2000 ans. Dieu a déjà fait écrire dans l'Ancien et le Nouveau Testament tout ce qui allait arriver. La naissance de Jésus-Christ, sa crucifixion, sa souffrance, sa mort, sa résurrection. Oui, l'ensemble du plan de salut de notre Dieu a été annoncé et écrit à l'avance. Et s'accomplit au fil du temps. Et c'est précisément dans ce fait que s'ancre la foi des croyants. À savoir que ce n'est pas n'importe qui qui vient faire l'histoire après coup, mais que Dieu, dans sa parole, a fait annoncer et écrire à l'avance l'histoire du salut jusque dans ses moindres détails par les prophètes dès l'Ancien Testament. Et nous savons que l'histoire a un caractère humain, terrestre et éphémère. Mais l'histoire du salut a un caractère spirituel, divin et impérissable. Et nous n'avons pas l'intention ici d'étudier l'histoire, mais de nous plonger dans l'histoire du salut de notre Dieu et d'essayer avec l'aide de Dieu de voir un peu ce qui est caché. Vous savez que l'on peut lire les saintes écritures et dire plus tard, je n'ai pas remarqué grand-chose ou rien du tout. Mais on peut aussi les lire avec des yeux éclairés par l'Esprit, avec un cœur ouvert devant Dieu et en tirer un riche profit intérieur. Nous croyons en cet endroit, et en ce lieu, et avec nous certainement des milliers de personnes qui peuvent appartenir à certaines euh, églises ou églises libres, mais qui croient de tout cœur en Jésus-Christ que la parole de Dieu est la vérité absolue et qu'il n'y a pas d'autre livre sur terre qui nous renseigne sur Dieu sur la création sur l'origine du ciel et de la terre sur tout ce qui est devenu et a été appelé à l'existence oui sur la vie et la mort sur l'éternité sur Dieu de nombreux livres ont peut-être été écrits et le seront encore. Mais il n'y a qu'un seul livre qui fait autorité sur la, sur la création et le créateur, sur le Rédempteur et la Rédemption, sur la grâce, sur l'éternité et sur les choses divines. Et c'est l'écriture sainte, la Bible. Tout le reste n'est qu'opinion des hommes. Et n'a rien à voir avec la réalité. Nous savons que l'Écriture sainte dit que les Saintes Écritures disent dans Hébreu 9, au verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. L Hébreu 9, verset 27. L'homme aimerait bien s'il n'est pas croyant, que tout soit fini avec la mort, à la, que, que tout soit fini à la mort, qu'il n'entende plus rien, qu'il ne voit plus rien, que ce soit fini avec, pour lui. Mais ne pensez pas que Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il ne soit rien, ou dans un but qui implique quelques années de peine et de travail, peut-être des larmes et de la misère sur cette terre. Non. Et encore, non. Dieu a créé l'homme à son image et veut lui donner la vie éternelle de son vivant. Avant que cet homme a, afin que cet homme puisse vivre éternellement en communion avec Dieu de son vivant et après sa mort. Et c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Car si nous voulons vivre éternellement, nous devons avoir reçu la vie éternelle de notre vivant. De même que nous avons besoin de la vie temporelle pour pouvoir vivre temporellement, nous avons besoin de la vie et divine, éternelle, pour pouvoir vivre éternellement avec Dieu. Dans les saintes écritures, le plan de salut de Dieu a été montré à l'avance, une fois par prophétie, une autre fois de manière symbolique. Et si nous parlons aujourd'hui spécifiquement de la crucifixion et de sa signification, nous devons nous tourner vers l'Ancien Testament pour y trouver les ombres, les images, les annonces, les prophéties, afin de comprendre plus tard cette signification dans le Nouveau Testament. La première chose qui nous interpelle ici se trouve dans Genèse 22 avec le sacrifice d'Isaac. Et c'est à dessein que je veux parler très lentement aujourd'hui afin que tous... En espérant que Dieu nous vienne en aide par son esprit. Je lis Genèse 22 à partir du verset 3. Le lendemain matin, de bonne heure, Abraham sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit des bûches pour l'holocauste, puis il se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, quand il ouvrit les yeux, il vit le lieu situé au loin. Abraham dit alors, à ses, serviteurs, à ses serviteurs. Restez ici pour vous avec l'âne, mais moi et l'enfant, nous irons là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons ici vers vous. Abraham prit alors le bois pour l'holocauste et en chargea son fils Isaac. Mais il prit lui-même le feu et le couteau de boucherie, et tous deux continuèrent à marcher ensemble. Alors Isaac dit à son père Abraham, mon père, Abraham répondit, que veux-tu mon fils. Il dit, nous avons bien essayé du feu et du, et du bois, mais où est le mouton pour l'holocauste? Abraham répondit, Dieu pourvoira à l'offrande d'un mouton en holocauste, mon fils. Ils continuèrent donc à marcher ensemble. Tout d'abord, en bref, jusqu'ici, Abraham reçoit l'ordre de Dieu d'offrir son fils Isaac à un holocauste. C'était le fils de la promesse, l'héritier. C'était celui qu'Abraham aimait particulièrement. Il est dit ici qu'Abraham a fendu des bûches puis qu'il a chargé Isaac de ce bois et qu'ils ont poursuivi leur chemin. Nous verrons plus tard dans l'évangile de Jean que notre Seigneur et Sauveur a été chargé de la croix et qu'il a dû la porter. Nous verrons de quelle manière précise les ombres en image de l'Anté-Testament ont ensuite été réalisées dans le Nouveau Testament. Voici la question. Au verset 6, Abraham prit alors le bois pour l'Holocauste et en chargea son fils Isaac. Ce n'est pas Abraham qui a porté le bois sur lequel Isaac devait être sacrifié, mais c'est Isaac qui devait être le sacrifice lui-même qui a porté le bois sur lequel il devait ou devait être sacrifié. C'est ainsi que nous voyons notre Sauveur et Seigneur. Portez le bois que Paul appelle à un, mo à un moment donnez le bois maudit car c'est ainsi qu'il est écrit maudit est celui qui est pendu au bois Galates 3 verset 13 et l'on a chargé notre Seigneur de la croix, de ce bois, pour qu'il le porte sur la colline du Golgotha. Et qu'il soit offert sur ce bois en sacrifice pour ta faute et la mienne, pour ton péché et le mien. Et nous voici déjà à la pensée du prix qu'a coûté ta rédemption et la mienne. Ce n'est ni avec de l'or, ni avec de l'argent, ni avec un programme théologique, mais avec une vie dans le sang de l'agneau de Dieu, que ta rédemption et la mienne ont été achetées et payées. Un pierre, un... Verset, 13, verset 18, il relit le verset 6 de Genèse 22 maintenant. Abraham prit alors le bois pour l'Holocauste et en chargea son fils Isaac. Mais il prit lui-même le feu et le couteau de boucherie et tous deux continuèrent à marcher ensemble. Si nous examinons attentivement ce passage biblique, nous pouvons déjà constater la foi d'Abraham. Quelle foi Abraham avait. Il dit à ses serviteurs qui l'avaient accompagné sur une certaine distance, restez ici avec l'âne, mon fils et moi irons adorer, puis nous reviendrons. Même s'il savait qu'il devait offrir Isaac en sacrifice, il a pu dire avec foi, nous reviendrons tous les deux. Abraham était un homme de foi. Il faisait confiance à Dieu pour tout. Et il savait que même s'il offrait Isaac en sacrifice, Dieu le ressusciterait d'entre les morts et il reviendrait tous les deux. Puis nous poursuivons la lecture du verset 9. Genèse 22, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, puis je m'arrêtais ici un instant. Quand ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, à l'endroit, donc, spirituellement et divinement, il ne s'agit pas de l'instruction d'un homme. Mais il s'agit d'obéir que nous puissions obéir à l'instruction divine et de faire ce que Dieu nous ordonne, et cela comme il nous l'a dit. D'où cette magnifique formulation, lorsqu'ils furent arrivés au lieu, que Dieu lui avait indiqué. Non pas à un endroit quelconque de leur, de leur choix, car cela aurait été une chose et une religion à part. Et une religion. Non, mais il s'agissait de l'endroit que Dieu avait indiqué. C'est le seul endroit où l'on peut faire ce que Dieu demande de toi et de moi, c'est-à-dire à, à l'endroit qu'il a indiqué. Maintenant, nous continuons à lire. Abraham, il dressa un autel et il disposa les bûches. Puis, il lia son fils Isaac et le plaça sur l'autel au-dessus des bûches. Alors il étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Celui-ci s'écria, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais pas de mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque... Tu n'as pas refusé ton fils unique, puisque tu ne m'as pas, pas refusé ton fils unique. Puis, regardant autour de lui, Abraham vit derrière lui un bélier dont les cornes s'étaient prises dans les, dans les fourrés. Abraham alla chercher le, le, le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Nous avons ici cette pensée du sacrifice par procuration, donc à la place d'un autre. Nous savons que lorsqu'Abel a fait le premier sacrifice, il savait ce qu'il devait à Dieu. Ici, c'est Abraham qui devait offrir Isaac. Mais Isaac n'était pas l'homme qui aurait pu mourir pour la réconciliation du monde. C'était un homme né comme toi et moi. Et un homme ne peut pas racheter un autre homme. Car nous sommes tous nés dans le péché, nous sommes tous venus dans ce monde, et nous sommes fondamentalement séparés de Dieu et perdus de notre, naiss de, 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 de notre naissance. Isaac même, s'il était mort, N'aurait servi à rien pour nous. Mais nous remarquons qu'ici, un sacrifice a remplacé celui qui était en fait, en fait exposé à la, mort, ou, oui, à la mort ou à la mort. Et cela aussi nous rappelle la mort par substitution, en euh, remplacement de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sur la croix à Golgotha. Et cela pour tous les fils et les filles de Dieu. Il a porté sa croix. Lui, l'aîné parmi tant de frères, lui le premier-né, et il est mort pour nous, à notre place. Isaac a été épargné. Et le Seigneur a dit, Dieu se choisira. Et Abraham avait dit, Dieu se choisira un sacrifice et nous savons que ce sacrifice était l'agneau lui-même qui a ensuite été offert. Et si nous en parlons d'une manière particulière en ce jour, ce n'est pas seulement pour nous en souvenir, mais pour que nous puissions avoir sous nos yeux et si possible dans le cœur que ce qui s'est passé à Golgotha n'est pas seulement arrivé pour nous le rappeler, mais pour que nous, nous soyons posés la question, quelle est la signification de ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha pour toi et pour moi et quelle signification cela a pour. Donc, dans le temps et pour toute éternité. De toute façon, ce que font les hommes le, n'a presque aucune importance ou n'a qu'une importance passagère. Mais ce que Dieu fait, cela est fait pour toujours. Donc, ici, Isaac a été épargné au dernier moment et Abraham a vu. Un mouton mâle qui s'était pris dans les fourrés. Encore une fois, ici, cela symbolise Christ, l'agneau de Dieu, dont Jean qui avait précédé le Seigneur a pu dire Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Ainsi, avec Abraham, et Isaac, nous avons une parfaite illustration de ce qui est arrivé plus tard au Christ sur la croix à Golgotha. Il ne pouvait plus se retirer car c'est pour cela qu'il était venu mourir pour nous. En second lieu, nous lisons Exode chapitre 12. Lorsque le peuple d'Israël est devenu l'assemblée appelée à sortir, après que Moïse ait accompli tous les miracles et les signes en Égypte, conformément à la volonté de Dieu, nous lisons dans Exode chapitre 12 du verset 1. Exode chapitre 12, verset 1. Voici ce que l'Éternel ordonna à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Le mois présent sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donnez à toute l'Assemblée d'Israël les instructions suivantes. Le dixième jour de ce mois, prenez chacun un agneau, un agneau pour chaque famille. Et ensuite nous, nous lisons au verset 5. Il faut que ce soit des agneaux sans défaut mâles, âgés d'un an. Le peuple d'Israël qui est dans l'Ancien Testament, l'Assemblée et dont il est question pour la première fois ici dans Exode 12 en tant que l'Assemblée devait prendre un agneau mâle d'un an par famille, par maison et... L'égorger. Il ne devait pas s'agir d'un agneau de moindre qualité ou endommagé dont on, ne, dont on se serait volontiers débarrassé, mais du milieu de celui qui n'avait pas de défaut, de celui qui était le plus cher au propriétaire. C'est cet agneau qui devait être sacrifié de la meilleure qualité. Et nous sentons et, et, et verrons qu'ici aussi l'histoire du salut, non pas l'histoire, mais l'histoire du salut a été prédite. Il devait, il devait s'agir d'agneau sans, sans défaut. Au verset 7, nous lisons Exode 12. Ils prendront ensuite un peu de ce sang et l'appliqueront sur les deux montants de la porte et sur le tout des maisons où ils prendront leur repas. Nous savons que le peuple d'Israël célébrait la Pâque et qu'il devait prendre le sang des agneaux et, et l'appliquer ou en badigeonner les montants des portes. Car c'est précisément de ce moment-là, à ce moment-là, que l'ange étrangleur devait parcourir tout le pays d'Égypte pour tuer tous les premiers-nés. Mais le sang de l'agneau, égorgé avec foi et appliqué avec obéissance sur les montants de la porte, a été la protection de tous ceux qui se trouvaient dans cette maison. Là où le sang n'a pas été appliqué selon l'ordonnance de Dieu, l'ange étrangleur a tué les premiers-nés et il y a eu un grand cri dans toute l'Égypte. Là aussi, nous verrons tout de suite la signification dans l'histoire du salut. Je lis du verset 11, Exode 12 du verset 11. Voici comment vous le mangerez vos hanches saintes, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez avec une hâte craintive. C'est le passage de l'Éternel. Car je marcherai cette nuit-là dans le pays d'Égypte et je ferai mourir tous les premiers nés de l'Égypte. Tant des hommes que des animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, moi l'Éternel. Mais voici maintenant le verset sur lequel nous voulons mettre l'accent. Le verset 13. Alors, le sang qui sera sur les maisons où vous vous trouverez sera un signe pour votre protection. Car quand je verrai le sang, je passerai sur vous avec ménagement. Et vous ne serez pas atteints d'une destruction mortelle quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand je verrai sur vos maisons le sang, quand je verrai le sang sur vos maisons, je passerai avec ménagement. Nous avons aujourd'hui tant de religions sur cette terre. Et l'une d'elles pense être meilleure que l'autre. Avoir plus de philosophie ou plus de, de, de logique en elle une religion dans laquelle dieu n'est pas ne vaut même pas la peine d'être pratiquée je me souviens pardonner surtout à ceux qui l'ont déjà entendu mais j'aime me souvenir de la conversation avec l'ami musulman lorsque je me suis envolé de moscou pour karachi l'un lisait sa bible c'était moi et le second lisait ce qu'il lisait. Et nous avons tous les deux entamé une conversation et vous savez que l'on passe alors très vite aux choses sérieuses, surtout au-dessus des nuages, les choses se passent très facilement. Et tout d'un coup, nous étions au milieu de la conversation et déjà dans le vif du sujet. Je lui ai demandé tout simplement, est-ce que... Ta religion te donne une espérance au-dessus de cette vie, au-delà de cette vie. Au-delà de cette vie. Il m'a répondu non. Je ne sais rien à ce sujet. Il m'a répondu non. Et très spontanément, cela a franchi mes lèvres. Et j'ai dit Ami, une religion sans espérance est une religion sans espoir, irrémédiable, désespérée. Il m'a demandé qu'as-tu dit. En effet, en anglais, tout est tutoyé. Et je l'ai répété. Une religion sans espérance est une, une religion désespérée, irrémédiable. Mais cette espérance que nous avons ne doit pas être seulement dans notre tête. Elle doit être fondée sur la Bible. Et savez-vous ce que Paul a dit à ce sujet? Il dit que. Le Christ en vous. Christ Christ en vous est l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est cela Christ en vous. Colossiens chapitre 3. Pas une religion, pas une foi ou une confession quelconque, mais la manifestation de Jésus-Christ dans ta vie est dans la mienne. La manifestation de Jésus-Christ lui-même. Et c'est pourquoi, parce que Christ a donné son sang et sa vie pour nous, la foi chrétienne ou la foi en Christ n'est pas une religion. On en a fait une religion. Mais la conséquence est qu'il y a tant de chrétiens sans Christ. Tant de chrétiens sans Christ. Et cela n'aide personne non plus. Nous sommes un pays chrétien et dans l'ensemble, un, un Occident chrétien, un Occident chrétien. Et si l'on regarde bien, ce n'est pas seulement un Occident. C'est devenu sombre. L'obscurité la plus profonde s'est abattue spirituellement sur tous les peuples. Mais revenons maintenant à notre texte. La deuxième partie du verset 13, Exode 12. Quand je verrai le sang, je passerai sur vous avec ménagement. Quand je verrai le sang, et vous ne serez pas atteints d'une destruction mortelle quand je, verrai, quand je frapperai le pays d'Égypte. Voilà ce qui en est. L'homme sera atteint tôt ou tard. Avant-hier, mercredi soir, alors que nous sortions de l'heure de la prière, ici, il y avait, pas presque, presque pas, pas à un kilomètre d'ici, peut-être à 800 mètres d'ici, un jeune homme mort sur la route, âgé d'environ 16 ou 17 ans. Le sang coulait sur l'asphalte sur le goudron et c'était un, un, un cyclomotoriste qui voulait traverser au rouge et la conductrice l'a donc emporté à grande vitesse il était mort sur le coup et quand on voit ça et qu'on entend le cri de la mère ou de la belle mère la première question est quand même où cet homme va-t-il passer l'éternité c'est tout de même la grande question, pas de savoir si nous devons mourir. Tous les prophètes sont morts. Tous les non croyants, les non croyants et les croyants meurent de la même manière. Mais la question est de savoir où nous allons après notre mort. C'est ça la question, pas de savoir si nous mourons. Il s'agit simplement de sortir de ce temps quand on meurt ou de ce corps pour aller dans une autre euh, dimension. Ce n'est pas une mort dans le sens où l'on serait dissous, mais seulement un passage du temps à l'au-delà. Quand je verrai le sang sur les maisons, ce sera un signe pour moi. Chers amis, permettez-moi de le dire très clairement. La meilleure prédication ne nous apportera pas la vie. La préservation et le salut. Si elle n'inclut pas Jésus Christ, le crucifié et la parole de la croix, qui est une puissance de Dieu, de nombreux sermons de type chrétien sont prononcés. Mais le Christ y est-il présent Permettez-moi de passer rapidement à Lévitique. 23, chapitre 23, à partir du verset 26. Lévitique 23, à partir du verset 26. Il s'agit en effet du grand jour des expiations. Car Golgotha est un acte d'expiation. Le grand jour de réconciliation, car Golgotha est un acte de réconciliation qui ici est déroulé. Lévitique 23, verset 26. L'Éternel donna encore cet ordre à Moïse. Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations, le jour de réconciliation. Vous aurez une assemblée de fêtes dans le sanctuaire. Vous gênerez. Et vous offrirez un sacrifice par le feu à l'Éternel. Vous ne ferez aucun travail en ce jour même, car... C'est le jour des expiations, de réconciliation, où l'on fera pour vous le sacrifice d'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Le grand jour des expiations, le grand jour de réconciliation dans l'Ancien Testament qui a apporté l'expiation, était déjà une indication du grand jour des récon de réconciliation, du grand jour des expiations dans le Nouveau Testament, qui nous a apporté l'expiation où l'on doit faire silence. Et d'autre part, un jour qui ne s'arrête pas au fait que l'on se considère comme pécheur, perdu. Inutile, inutile et que l'on n'oserait pas entrer même dans la présence de Dieu. Nous ne nous arrêtons pas là, mais nous entendons le son de la trompette, de l'évangile, le message joyeux, le message de joie. Vous êtes réconciliés avec Dieu. Vos fautes et vos péchés sont expiés, vous pouvez partir libre, sortir libre. Vous savez, nous savons que tous les 49 ans, 7 fois 7, et le 50, et, la, et la 50e année était l'année du salut, et de, de, du jubilé, et pendant cette année de salut, cette année de jubilé, le jour des expiations, le jour de réconciliation, des trompettes devaient retentir dans tout le pays. C'est quelque chose de tout à fait merveilleux. La réconciliation, mais en même temps l'annonce que quelque chose d'extraordinaire avait eu lieu et que tous les habitants du pays étaient concernés. Nous pouvons parler de ces choses ici aujourd'hui, mais à moins que le Saint-Esprit... Ne fasse de ces paroles de Dieu une réalité personnelle dans ton cœur et dans le mien. Sinon, nous n'aurons fait qu'en entendre parler et nous en éloigner. La question que nous devons nous poser, que je dois me poser, est toujours la suivante. Seigneur, tu me parles maintenant. Tu me parles. C'est à moi que tu parles maintenant. Je suis inclus dans cette... Rédemption. Et c'est alors que la foi personnelle commence à être efficace dans ton cœur et dans le mien. Nous devons continuer à nous précipiter vers le prophète Esaïe, chapitre 53. Esaïe, chapitre 53. Il s'agit de la parole prophétique ici, de l'Ancien Testament. Auparavant, nous avions les ombres en image euh, chez Abraham et Isaac, puis dans la loi, le grand jour des expiations, de réconciliation, la présentation de l'agneau, l'annonce au son de la trompette, etc. Mais ici, Christ, dans Isaïe 53, nous est présenté dans sa souffrance. Et pardonnez-moi si je vais maintenant lire la parole de Dieu un peu plus longtemps. Isaïe 53, verset 2. Il grandissait devant lui comme un rejeton, comme une racine de terre sèche. Il n'avait ni forme, ni beauté pour que nous le regardions, ni apparence pour que nous prenions plaisir en lui. Non, il était méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la maladie, oui, comme celui devant qui on se voile la face, méprisé, si bien que nous le regardions comme un moins que rien. Pourtant, c'était nos maladies qu'il apportait, et c'était de nos douleurs qu'il s'était chargé, alors que nous le pensions puni frappé de Dieu et martyrisé, et pourtant il était blessé à cause de nos transgressions, transgression et brisé à cause de, à cause de nos péchés. Le châtiment était mis sur lui afin que nous, afin de nous donner la paix. Et par ses maîtres sur eux, nous avons été guéris. Quelle parole merveilleuse. Plus de 800 ans avant que cela ne se produise à Golgotha, avec Jésus-Christ, notre Seigneur, le prophète Esaïe a prédit en détail ce qui serait et comment serait ce chemin et ce qui se produirait. Aucun homme n'aurait pu le faire de lui-même. Cela, mais les prophètes, comme nous l'avons déjà dit au début, ont pu annoncer à l'avance l'ordre du salut. Pour quelles raisons Ils ont été transportés par l'Esprit déjà dans ce qui était encore lointain. Et l'ont exprimé, l'ont prononcé comme si c'était déjà fait. Esaïe ne dit pas, il portera nos maladies, il expira nos péchés. Mais il présente cela comme étant déjà arrivé dans le passé. Car pour Dieu, il n'y a pas d'avenir. Le passé, le présent, Dieu est celui qui est le je suis. Dieu n'est pas un, un être temporel. Dieu est d'éternité en éternité. Nous, nous avons hier, aujourd'hui et demain. Avec Dieu, le temps n'existe pour, pour ainsi dire pas. Il voit déjà tout comme c'était de toute éternité et comme ce sera pour l'éternité. Ici, Christ a été représenté dans sa souffrance comme l'homme de douleur qui a été frappé et martyrisé, à qui on a voilé le visage et qu'on a frappé en lui disant, dis-nous qui est celui qui t'a frappé, un homme de douleur. Mais l'écriture dit que c'est à cause de nous qu'il a été blessé. Et maltraité. Il est écrit ici au verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais les... chacun suivant sa propre voie, cela ne s'applique-t-il pas à, nos, à nous tous Soyons sincères. Chacun s'est tourné vers sa propre voie. Dans chaque confession, dans chaque croyance dans le monde entier, dans chaque foi, dans le monde entier, chacun se tourne vers sa propre voie. Qui est prêt à se tourner vers la voix de Dieu Le Seigneur ne dit-il pas, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. C'est ce que dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe 55, 8 et 9. Il n'y a qu'une seule personne qui pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Tous les autres peuvent témoigner de la vérité, ils peuvent être des guides, ils peuvent apporter la lumière dans les ténèbres, ils peuvent offrir la vie aux gens par la parole et la prédication. Appo mais, mais Jésus Christ lui-même est tout en tous. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il est aussi la réconciliation et l'expiation. Nous avons tous. Il relie Esaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Cela m'inclut et cela t'inclut. Cela nous inclut tous. C'est ce qui est écrit ici. Et puis nous disons encore. La deuxième partie du verset 6, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Quand il a été maltraité, il s'y est livré de bon cœur. Il n'a pas ouvert la bouche comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir, comme le, la brebis qui reste muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Quelle parole de Dieu pilate lui-même fut surpris par toutes ces accusations et il pose la question ne réponds-tu pas il n'a pas dit un mot il a laissé il a supporté tout il a tout laissé passer nous aurions nous aurions frappé autour de nous en tant que coupable lui l'innocent s'est-tu à porter la croix est passé à, 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 à Gessémane sur la, la colline de Golgotha pour expier ta faute et la mienne pour pardonner ton péché et le mien. Notre cœur ne devrait-il pas être reconnaissant Un cantique de louange céleste ne devrait-il pas sortir de notre bouche pour la gloire de Dieu un auteur compositeur chante Oh toi agneau de Dieu tu as été glorieusement tu as tu as glorieusement vaincu à Golgotha amen alléluia Ce n'est pas seulement une histoire dont nous parlons Cet après-midi nous nous occupons de l'histoire divine du salut dans laquelle toi et moi pouvons être inclus et vous savez, c'est un mystère. Seules les personnalités entrent dans l'histoire terrestre, éphémère, humaine. Tout ce qui a une réputation, un rang et un nom, quel que soit le domaine, quelle que soit la direction, il suffit d'ouvrir un livre de ce genre pour voir qui est dans l'histoire, tous les grands de ce monde, les présidents, les fondateurs des différentes choses dont nous ne voulons même pas parler ici en ce jour, tous sont mentionnés avec leur date de naissance, leur date de décès et ce qu'ils ont accompli ou ce qu'ils ont fondé ou établi. T'ouvrez-vous l'homme du commun, l'homme de la rue nous trouve, nous trouverez-vous, vous et moi, dans une quelconque histoire un jour Vous pouvez l'oublier. Mais pour Dieu, c'est justement l'inverse. Ce qui n'est rien devant le, ce monde, c'est ce que Dieu a justement choisi pour faire honneur à son nom et que pour honorer son nom et que disent les Saintes Écritures. Si nous cherchons encore à plaire aux hommes, nous ne pouvons absolument pas être agréables à Dieu. Galates chapitre 1. Dans l'histoire des hommes, entre les grands de l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du salut de Dieu, entre ceux à qui Dieu s'est révélé, ceux qui ont été inclus dans son histoire du salut, ceux qui ont reçu la grâce à qui Dieu a pu parler et qui lui ont répondu par un oui. C'est, si nous voulions maintenant poser la question cet après-midi, où veux-tu apparaître avec ton nom dans l'histoire parmi les grands de ce monde? Ou dans l'histoire du salut, parmi les petits, parmi les simples, mais qui pourtant, mais qui portent un précieux trésor dans leur cœur, celui qui a reçu de Dieu la réconciliation, le pardon et la vie éternelle de son vivant. Et nous pouvons déjà regarder par-dessus le rideau ou derrière le rideau du temps et savoir. Que nous serons bientôt auprès du Seigneur. Et mon frère bien-aimé a mentionné qu'il y a environ cinq semaines, nous avons passé 14 jours en Israël, à Jérusalem, etc. Et là, j'ai rencontré un étudiant en théologie de Hambourg. Et il avait entendu dire que nous avions aussi quelque chose à voir avec la Bible. Et cette personne. Vous ne vous ne la connaissez pas et moi non plus. C'est pourquoi je peux dire et je donnerai pas de non. Mais il a dit écoutez, vous croyez vraiment que toutes ces choses sont authentiques Est-ce qu'on n'a pas fixé tout cela après coup pour que certaines choses dans la Bible soient censées être vraies Oh là bien sûr que la cravate a craqué. Hein? J'ai dit chef. Il faudrait que ce soit une personne terrible qui ose justifier Dieu, qui ose justifier Dieu après coup. Je répète cet après-midi que Dieu a fait écrire à l'avance l'histoire du salut du commencement jusqu'à sa fin, jusqu'au millénaire, jusqu'au jugement dernier d'Apocalypse 20, jusqu'au nouveau ciel et de la nouvelle terre d'Apocalypse 21. Et même jusqu'au passage du temps à l'éternité. Et cela reste ainsi. Cela reste ainsi. Il a laissé écrire tout cela à l'avance. Il a dit dans Michée 5, verset 5, que le Messie naîtrait à Bethléem. Et que s'est-il passé Les mages arrivèrent à Jérusalem, la capitale, la capitale religieuse, n'est-ce pas et, 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 et dire Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous sommes venus de l'Est pour l'adorer. Et déjà, on cherchait à savoir. Où était Où était quoi Puis ils virent l'étoile et elle les précéda jusqu'à Bethléem. Car c'est ainsi que c'était écrit. Et c'est ainsi que cela s'est accompli. Il est aujourd'hui établi une fois pour toutes et saisissez cela une fois pour toutes. Que l'histoire du salut de Dieu avec l'humanité a été écrite à l'avance. Et qu'elle s'accomplit et pas une seule des choses que Dieu a dites qu'il a promise ne restera inaccomplie. Tout s'accomplira exactement comme le Seigneur nous l'a laissé dans sa parole. Nous allons bientôt arriver à notre conclusion. Verset 10, Isaïe 53. Mais il a plu à l'Éternel de le meurtrir par la maladie quand il aura livré sa vie comme sacrifice d'expiation pour le péché. Il quand il aura livré sa vie comme sacrifice d'expiation pour le péché. Passons rapidement au Nouveau Testament. Paul, conduit par l'Esprit, écrit dans 2 Corinthiens 5 du verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Or tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Ne leur imputant pas leur transgression. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est donc pour Christ que nous parlons. C'est donc pour le Christ que nous parlons comme ses envoyés, puisque c'est par nous que Dieu avertit. C'est pour le Christ que nous demandons, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quelle parole précieuse. Sainte. Nous qui, et, qui avions été condamnés à mort. Et sur terre, donc, vu terrestrement, nous devons tous mourir. De toute façon, et les Saintes Écritures disent dans le prophète Ézéchiel toute âme qui pêche mourra. Ézéchiel 18, verset 20. Et dans Apocalypse 20, en relation avec le jugement final devant le trône blanc, nous lisons, tout homme qui n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie a été jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Apocalypse 20, verset 14. Chers amis, il ne s'agit pas seulement de la mort, de la sortie de ce corps, de quitter ce corps. Cela va ensuite plus loin. I, 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 et ils s'agit principalement de la question suivante. Comment allons-nous subsister devant Dieu? Dans quel état viendrons-nous devant Dieu? Livrés à nous-mêmes, il n'y a pas d'homme sur terre qui puisse subsister devant Dieu. Tu as besoin de quelqu'un qui porte ta, ta culpabilité et ton péché à ta place. Et c'est Christ. Dieu était en Christ et a reconstruit le monde avec lui-même. Maintenant, il ne reste plus que la parole directe pour aujourd'hui, tirée de l'évangile de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 19, du verset 16. Jean, 9, euh, Jean 19, verset 16. Alors il leur livra Jésus pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus. Et portant lui-même sa croix il sortit de la ville pour se rendre à ce qu'on appelle le lieu du crâne, et qui est appelé en hébreu golgotha. là, il le crut si fier. il porta sa croix. c'est ce que nous l'avons lu. Et mentionné plutôt, de même qu'Isaac portait le bois sur lequel il était offert en sacrifice, notre Seigneur portait la croix. Mais maintenant, toi et moi sommes appelés à le suivre, à prendre notre croix et à le suivre partout où il est. Va, où il nous conduit, où il nous conduit. Jean 19, verset 17, il lit, et portant lui-même sa croix, il sortit de la ville pour se rendre à ce qu'on appelle le lieu du crâne, et qui est appelé en hébreu Golgotha. Là, il le crucifiait, et avec lui deux autres de chaque côté, mais Jésus au milieu. Nous savons par les Saintes Écritures que l'un d'eux a soudain compris que celui qui était au milieu d'eux, devait être le Messie, le Seigneur. Et il s'écria lui-même dans la mort, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et la réponse de Jésus fut la suivante, en vérité, en vérité, je te le dis, aujourd'hui encore, même, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, aujourd'hui même. Ce n'est pas une histoire. Ça, c'est l'histoire du salut. Nous pouvons lire dans, dans Genèse 3 que l'Éternel Dieu a chassé les premiers hommes du paradis après la chute de l'homme. Maintenant, le péché était expié. La faute était pardonnée. L'accès au paradis était libre. Aujourd'hui encore. Tu seras avec moi dans le paradis. Dieu était réconcilié avec les hommes. Et si tu dis aujourd'hui dans ton cœur, ou oh, si tu le prononces de ta bouche, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi et aie pitié de moi. Tu constateras que Dieu a pitié de toi. Qu'il te fait grâce. Qu'il te. Pardonne, qui ne s'irrite plus. Dieu ne s'irrite que contre l'incrédulité, pas contre la foi. Dieu est honoré par la foi. Et si nous pouvons croire en Jésus-Christ cet après-midi, alors la parole que Paul a adressée au geôlier en Philippi s'applique à nous. Crois au Seigneur Jésus-Christ! Et tu seras sauvé, toi et ta maison. Aujourd'hui, cela dépend de toi et de moi. Aujourd'hui, cela dépend de toi et de moi. Peux-tu croire? Est-ce que je peux croire? Veux-tu accepter? Est-ce que je veux l'accepter? Ou allons-nous ou allons simplement le contempler? Un cadeau n'est pas fait pour être simplement regardé. Un cadeau doit être accepté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils seul engendré de lui afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son fils, crois en lui et tu recevras la vie éternelle déjà de ton vivant. Et là je peux presque pr entendre quelqu'un dire. Est-ce vraiment, est vraiment si simple? Oui, c'est aussi simple que cela. Et c'est pourquoi les gens ne peuvent pas le croire, le saisir. Si c'était compliqué, si nous devions faire ceci ou cela pour être sauvés, alors les gens se sentiraient prêts à le faire, n'est-ce pas? Mais Dieu a déjà tout fait pour nous. Nous allons bientôt lire la merveilleuse parole. C'est accompli. Où il, a écrit que est accompli, où il a dit c'est accompli. Je voudrais juste lire très brièvement le chapitre 19 de l'évangile de Jean. Lorsque les juifs ont dit que cet homme avait prétendu être le roi des juifs, lorsque cet homme avait prétendu être le roi des juifs, n'écrivez pas qu'il est le roi des juifs, mais qu'il a prétendu, qu'il l'a qu prétendu. Alors Pilate dit de lui ce qui suit, le verset 22. Mais Pilate répondit Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Pilate l'avait écrit, roi des Juifs, dans les trois langues. Les Juifs en étaient fâchés et ils ne l'avaient pas accepté comme roi et sauveur et rédempteur et ils devaient le changer. Il n'y a rien à changer. Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Même Pilate et personne ne peuvent rien changer. Maintenant, du verset 28. Alors, Jésus sachant que tout était maintenant accompli, dit afin que l'écriture fût entièrement accomplie. J'ai soif. Oh, il y avait là un vase rempli de vinaigre. Ils ont donc enroulé de l'isop autour d'une éponge trempée dans le vinaigre et l'ont porté à ça. Bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'est ici que se trouve le petit mot tout à fait sur, Afin que les Écritures soient entièrement accomplies. Les dernières choses devaient être accomplies. Et cela est au verset 28, afin que l'écriture fût entièrement accomplie. Et il n'y avait pas un vase d'eau, il y avait un vase de vinaigre, car c'est ainsi que David l'avait exprimé dans le psaume. Ils m'ont donné du vinaigre à boire. Vous voyez, toutes les écritures ont été accomplies. Tout. Jésus s'est exclamé Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Psaume 22, vous pouvez le lire, c'est écrit là. C'est par l'Esprit que David l'a prononcé. L'histoire du salut, écrite à l'avance et s'accomplissant au fil du temps, principalement écrite dans l'Ancien Testament, il s'accomplit dans le Nouveau. Les vrais croyants prennent l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble et ont alors devant eux un ensemble parfait. Fait. on ne peut pas séparer l'un de l'autre dans l'un il a été prédit ce qui arrivera ce qui arrivera et dans l'autre nous lisons ce qui est arrivé que dieu t'aide qu'il m'aide qu'il nous aide tous par grâce en ce vendredi saint en cet après-midi à ne pas passer à la légère comme ça facilement outre mais à dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je lève les yeux vers toi, vers la croix à Golgotha. Aujourd'hui, j'accepte mon pardon et ma réconciliation dans la foi. Aujourd'hui, je te demande pardon. Accepte-moi tel que je suis et aie pitié de moi, pécheur. Et vous verrez que cela peut être le plus beau jour de votre vie. Si vous, invite, si vous demandez consciemment au Seigneur Jésus de venir dans votre cœur. Seigneur, et dites, Seigneur, je viens comme je suis accueille. Accepte-moi, je t'en prie. Fais-moi grâce, pardonne-moi, reçois-moi, agré moi Sois miséricordieux envers moi. Je veux être ta propriété. Pour le temps et pour l'éternité, vous verrez que l'Écriture s'accomplira, que Il ne rejette personne qui vient à Lui, mais Il reçoit tout le monde. Quand Il est mort, Ses mains n'étaient pas jointes ainsi, elles étaient étendues. C'est ainsi que Ton Rédempteur et Le Mien est mort sur la croix à Golgotha. Pour quelle raison Pour inviter le monde entier pour l'accueillir, pour le recevoir, pour lui souhaiter la bienvenue à lui aujourd'hui. L'appel s'adresse à toi, à moi, à nous tous. Veux-tu venir C'est la plus grande invitation qui puisse être faite sur Terre. L'histoire et toutes les, les grandes choses auront leur fin. L'histoire du salut et tous ceux qui y sont inclus n'auront pas de fin. Nous serons unis à Dieu pour l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Levons-nous et chantons ensemble tel que je suis. C'est ainsi que cela doit être. Chantons tel que je suis sans rien de moi. Sinon ton sang. Verser pour moi. Ton sang me lave pur du péché. Ô agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis. Ainsi cela doit être. Pas ma force, mais la tienne. Ton sang me lave pur du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Nous voulons incliner nos têtes, fermer les yeux et rester devant Dieu dans une prière silencieuse. Ce que nous avons lu est vrai. Jésus-Christ, le Fils de Dieu est mort à notre place. Il a pris notre place. Il a porté mes fautes, tes fautes et tes péchés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais nous devons l'accepter. C'est un don de grâce de notre Dieu. Alors que nous allons nous avons la tête inclinée et les yeux fermés et que nous sommes en prière silencieuse devant Dieu. Si quelqu'un sent que le Seigneur l'interpelle, personne ne regarde autour de lui, tous prient et s'examinent devant le Seigneur. Mais si quelqu'un ressent que le Seigneur... L'appel. Ne le remettez pas à plus tard. N'ayez pas honte de lui. Il n'a pas eu honte de nous non plus. On l'a méprisé. Rayé, dédaigné, rejeté pour rien. Nous ne cherchons pas les honneurs et la reconnaissance. Nous cherchons le Seigneur. Et nous sommes prêts à le suivre si vous avez le courage d'être inclus dans cette prière et vous voulez consacrer votre vie à Dieu et recevoir la certitude que vous avez reçu la grâce de la part de Dieu et que vous êtes prêts à passer du temps. À l'éternité, nous ne savons pas si ce sont les jeunes ou les vieux qui partent en premier, peut-être qu'en avançant en âge, les gens doivent mourir. Quand on est jeune, on peut mourir aussi. Personne ne connaît le temps et l'heure. Mais le Seigneur vous appelle aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite répondre à cet appel? Levez la main et un instant et redescendez-la. Merci à, tous, merci à vous tous, merci à vous tous, merci à vous tous, que le Seigneur vous bénisse, merci à tous, le Seigneur vous bénisse tous. Nous ne sommes pas ici pour entendre quoi que ce soit. Nous sommes ici pour entendre l'évangile, le message du salut qui rend libre et joyeux. L'histoire du salut et le message du salut vont de pair. À partir d'aujourd'hui, personne n'aura d'excuses. Vous ne pourrez pas dire au jour du Seigneur, je ne savais pas, je ne savais pas. Aujourd'hui, nous avons ensemble écouté la parole de Dieu en toute simplicité. Qu'elle soit efficace avec puissance dans vos, dans vos cœurs, dans nos cœurs. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant ta sainte face, ô oh Dieu. T'apportons les chères âmes, les âmes précieuses, celles qui ont levé les mains, au oh Seigneur, et aussi toutes celles qui n'ont pas eu le courage de le faire. Bientôt le temps sera écoulé. Il est terminé et l'éternité commencera. Où serons-nous dans l'éternité Ô oh Dieu du ciel, nous te remercions pour la grâce, pour le grand jour de réconciliation, pour le grand jour des expiations en ce vendredi saint, lorsque le ciel s'est obscurci, que la terre a tremblé et que le sang a coulé de ton côté. Et que tu t'es écrié, tout t'est accompli. Là, tu as expié mes fautes et mes péchés. Tu es mort pour moi. Je te remercie pour cela. Sauveur bien-aimé, bénis tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Bénis aussi tous ceux qui ne sont pas ici, au Seigneur. De la richesse et de ta grâce, au Seigneur. Ô oh Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour l'illumination par ton Saint-Esprit. Je te remercie pour le temps de grâce dans lequel nous pouvons encore vivre. Sauveur, nous ne voulons pas compter parmi les grands qui entrent dans l'histoire, mais parmi les petits qui sont entrés dans l'histoire du salut de Dieu. Oh, je te remercie. Je te loue et je t'adore, sauveur. Je te remercie d'avoir payé le prix précieux sur la croix à Golgotha. Et nous n'avons pas honte de l'évangile de Jésus-Christ car il est une puissance de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. Sauveur, sois avec nous en ces jours d'une manière toute particulière. Ô oh Seigneur, viens au milieu de nous. Sauve les perdus. Guéris les malades. Délivre tous ceux qui sont accablés d'une manière ou d'une autre. Ô oh Seigneur. Honore ton nom, confirme ta parole. Oh Dieu, je te remercie pour cela et aussi pour la parole, pour les passages de l'écriture que nous avons pu observer aujourd'hui. Puissions-nous ne jamais l'oublier et... et il est repassé dans nos cœurs. Adoration et gloire à ton Saint-Nom de Jésus. Amen. Schwer und bald ihren freudigen Jubelsang. Hier schau ich im Glaube das wundervolle Land. Oh, welch Glück für mich, wenn ich dich am goldenen Strand. Und las nach dem Land der süßen Rast. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier vor. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freudgen Jubelsang. Diese Welt Sorgen sind ewig bald vorbei. In des Vaters Hand sind wir alle froh und frei. Ich will heilen vor. Gefahr. Preis sei Gott, bald bin ich da. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier vor An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals höre ich schon, wenn mein Herz.

Schwer und bald.